L'Union africaine va-t-elle se retirer de la Cour pénale internationale? L'institution se réunit en sommet extraordinaire aujourd'hui à Addis Abeba. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe aux discussions. Les grossesses précoces, une fatalité pour la jeune fille. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, les observateurs analysent la question. Enfin, pendant que l'Union africaine examine à Addis Abeba sa relation avec la Cour pénale internationale, d'autres voix africaines s'élèvent pour défendre la CPI. Bonsoir à toutes et à tous. Départ aujourd'hui du président de la République Alassane Ouattara pour Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État ivoirien participe au sommet extraordinaire de l'Union africaine les 11 et 12 octobre. Il s'agit de réfléchir sur un éventuel retrait des pays africains de la Cour pénale internationale. Alors, les pays membres de l'Union africaine doivent-ils se retirer de la Cour pénale internationale? Pour certains Africains, en tout cas, la CPI est un instrument politique contre l'Afrique. D'autres, par contre, s'élèvent pour défendre l'institution. Reportage. Alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour discuter d'un retrait collectif de la CPI, des voix s'élèvent pour défendre l'institution. Lundi, Kofi Annan avait déclaré que ce serait une honte pour l'Afrique si ses dirigeants décidaient de quitter la juridiction internationale. Hier, à Abidjan, il a rappelé le rôle de la CPI. Tous ces efforts, c'est pour protéger des victimes, les sans-voix, les types, les députés. Parce qu'on entend parler de beaucoup de bruit, mais c'est pour la protection des leaders. Je n'ai pas entendu des leaders parler de protection et justice pour des milliers et des milliers d'Africains qui ont perdu leur vie. Le soutien de Kofi Annan vient s'ajouter à celui d'autres personnalités africaines comme Desmond Tutu. Dans une pétition, il exhorte l'Afrique à rester dans la CPI. En deux jours de temps, dit-il, les dirigeants africains pourraient tuer une grande institution faisant du monde un endroit plus dangereux. Le divorce entre l'Afrique et la CPI est apparu au grand jour en mai dernier, lorsque l'Union africaine a réclamé l'abandon des charges contre Uhuru Kenyatta et William Ruto, fraîchement élus président et vice-président du Kenya. Alors que le procès de William Ruto, inculpé pour crimes contre l'humanité, a débuté le 10 septembre, et que celui d'Uhuru Kenyatta pour les mêmes charges est prévu le 12 novembre, certains réclament des aménagements permettant aux deux dirigeants de continuer à exercer leurs fonctions. Mais la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est jusqu'à présent restée inflexible. L'Union africaine dénonce également un acharnement contre l'Afrique, puisque sur une trentaine de personnes inculpées, toutes viennent de ce continent. Le coup de théâtre est cependant venu du Kenya. Bien que son parlement ait voté en septembre pour un retrait de la CPI, la ministre des Affaires étrangères kenyane a plaidé hier pour un maintien dans cette institution. Les jeunes filles sont célébrées aujourd'hui. C'est la deuxième journée internationale de la jeune fille. L'occasion de réfléchir sur leurs conditions. Elles sont de plus en plus en proie à certaines difficultés sociales, religieuses et culturelles. Au nombre de ces problèmes, les grossesses précoces. Dans le monde, 11% des grossesses précoces sont enregistrées dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans. C'est un sujet de Franck Wadio. Hôpital général de Yopougon, cette jeune élève en classe de 3e est enceinte de 5 mois. Elle est à sa première consultation prénatale. L'enfant, elle, l'élèvera seule. L'auteur refuse d'assumer. Je peux me demander à mon âge, à l'âge de 18 ans, venir faire accouchement. Alors que mes parents m'ont conseillé, n'ont pas écouté. Dans le hall, une autre jeune fille, enceinte de 7 mois et inquiète de l'issue de la grossesse, car le corps pas toujours prêt des filles sorties de l'adolescence complique souvent l'accouchement. Cette autre jeune maman de 17 ans a dû subir une césarienne. Je n'étais pas prête pour avoir cet enfant à cet âge, comme il y a eu hier. Des cas similaires sont gérés dans cet hôpital. Pour la responsable des consultations prénatales, les 6 à 18 ans considérés comme précoces sont des patientes comme les autres. Quand elles viennent le matin, on les accueille, elles prennent leur ticket, elles vont faire les urines et puis elles reviennent, elles vont faire
le test de dépistage. Et maintenant, on fait la consultation et on leur donne beaucoup de conseils. Des conseils aussi envers les jeunes filles pour prévenir les comportements sexuels à risque, notamment ceux avec les personnes plus âgées, une réalité bien connue des jeunes filles. Souvent, je lui demande de se protéger, mais il refuse, je ne sais pas. Ça m'inquiète parce que je peux avoir des maladies, comme lui aussi peut avoir des maladies. Les relations sexuelles précoces, pas toujours protégées et souvent intergénérations, certaines organisations dans le cadre de cette journée internationale de la jeune fille interpellent à un changement de comportement. Nous voulons qu'elle se réalise par elle-même et qu'elle cesse, si possible, ce que nous appelons le sexe intergénération. C'est-à-dire qu'aller avec une personne plus âgée que vous, qui va vous utiliser juste pour votre corps et qui va vous donner de l'argent, ce n'est pas une solution. La Journée internationale de la jeune fille, organisée depuis 2011 par les Nations Unies, est à sa première célébration en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, vaincre le mariage précoce et l'accès des jeunes filles à l'école. Les hommes de médias et la société civile s'engagent dans la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié d'une formation sur les méfaits du tabac. C'est une initiative du ministère de la Santé appuyée par l'Organisation mondiale de la Santé. À noter que malgré la loi interdisant de fumer dans les lieux publics, la cigarette connaît une forte consommation avec plus de 22% de la population ivoirienne. Laetitia Manglé. 26 milliards de francs CFA sont investis chaque année en Côte d'Ivoire pour la prise en charge des victimes du tabac. Pourtant, le nombre de fumeurs ne cesse de croître dans le pays. De 19% en 2011, l'on est passé à 22,1% en 2012. Blaise, jeune homme dans la fleur de l'âge, en fait partie. Adepte de la cigarette depuis près d'une dizaine d'années, il a du mal à s'en défaire. Parfois j'ai des douleurs et souvent j'arrête quelques jours, après je reprends encore la cigarette. Mais c'est pas facile pour moi d'arrêter. Une situation qui va crescendo et qui serait, selon le ministère de la Santé, due en partie à la contre-offensive des industries du tabac face à la lutte contre le tabagisme engagée par les autorités ivoiriennes. Ils en veulent pour preuve la vaste campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, lancée en avril 2012, qui n'a à ce jour trouvé que peu d'écho au sein des populations. Moi, par exemple, quand je vais dans un maquis ou bien dans une boîte de nuit, je me dis de ne pas fumer, alors je sors carrément. Pour être donc plus efficace dans la sensibilisation, les médias et associations de la société civile sont mis à contribution. Cette formation rentre dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé et la lutte contre le sida a lancée pour lutter un peu contre les méfaits du tabagisme en Côte d'Ivoire. Un atelier de formation qui vise toutefois à faire appliquer la loi cadre sur la lutte contre le tabagisme ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2010. Ce communiqué, avant de poursuivre, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle informe que le mardi 15 octobre 2013, fête de la Tabaski, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Comment se porte l'opération de déguerpissement des sites illicites? Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable fait le bilan dans la commune de Cocody. Il a sillonné hier, jeudi, le quartier Riviera. Objectif, vérifier si les sites déguerpis n'ont pas été occupés à nouveau par les commerces. Plusieurs commerces occupant le domaine public de la commune de Cocody ont été détruits du 26 septembre au 8 octobre dernier. Les commerçants installés de façon anarchique ont été également déguerpis. Le jeudi 10 octobre, l'heure était au bilan. Le ministère de l'Environnement, accompagné d'une vingtaine d'éléments des forces de l'ordre, sillonne la municipalité. Objectif, vérifier minutieusement si les sites déguerpis n'ont pas été occupés à nouveau par les commerces. C'est un déguerpissement participatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous arrivons sur le site, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Pour dire aux riverains que vous avez occupé le domaine public pendant des années. Ce domaine public doit être libéré parce que l'État en a besoin maintenant. De la Riviera Palmeraie à la Riviera Altoban, certaines populations manifestent encore leur mécontentement. Selon leurs explications, elles n'ont pas reçu à temps la mise en demeure délivrée par le ministère de l'Environnement. D'autres, plus conscientes de la situation,
ont obtempéré des réceptions. Dès que nous avons eu le papier du ministère pour nous demander de libérer le domaine public, nous avons automatiquement entrepris des démarches pour pousser un peu derrière. Heureusement pour nous qu'on avait un peu d'espace derrière, nous avons pris automatiquement les démarches pour pouvoir reculer donc notre magasin. Autre étape du bilan de déguerpissement des sites illicites, la commune de Marcoury, en novembre prochain. L'Allemagne commémore sa réunification après la chute du mur de Berlin en novembre 89. Les deux Allemagnes, Est et Ouest, sont réunifiées le 3 octobre 1990. Ici en Côte d'Ivoire, la communauté allemande a célébré récemment l'événement. Koné Pargassoro et Thomas Guessambi. Située en Europe centrale avec environ 80 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne et la première puissance économique d'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée en deux parties durant toute la période de la guerre froide en 1949. 11 mois après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, la réunification de l'Allemagne de l'Ouest, RFA, et l'Allemagne de l'Est, RDA, se fait le 3 octobre 1990. Cette date historique est célébrée chaque année par les Allemands et la chancellerie allemande en Côte d'Ivoire respecte la tradition. Le premier responsable de l'ambassade dit être heureux des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. À l'invitation de la chancelière Angela Merkel, le président Alassane Ouattara a visité Berlin au début de l'année 2013 avec une forte délégation. L'Allemagne a annulé la dette de la Côte d'Ivoire, la deuxième plus importante dette après la France. Au niveau bilatéral, nous avons augmenté les projets de la coopération. Le ministre Gaoussou Touré et le chef du village de Blokos et sa notabilité sont venus apporter leur soutien aux diplomates allemands. Selon Karl Prince, cette cérémonie est aussi une occasion pour son pays et la Côte d'Ivoire de faire le bilan de leurs relations de coopération et d'amitié. Impasse en Guinée-Conakry. Après 2 semaines de comptage et de recomptage des bulletins de vote dans la confusion, les Guinéens attendent toujours la publication des résultats complets des législatives du 28 septembre dernier. La commune de Matoto est sommée de transmettre dans les plus brefs délais les résultats des votes à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI dénonce la lenteur de la commission de centralisation des résultats de la plus importante circonscription électorale de Guinée. Une circonscription clé où l'opposition disposerait d'une avance de 3000 voix pour les législatives du 28 septembre. Ce scrutin a été marqué par de nombreuses fraudes. D'après Jean-Marie Doré, pouvoir et opposition ont triché. Des gens sont allés dans les bureaux de vote, ils ont fait la pagaille. Des ministres sont allés distribuer de l'argent jusque dans les bureaux de vote. Vous croyez que pour mon pays, je peux accepter ça? Pour rien au monde, je n'accepterai que la Guinée soit rabaissée à ce niveau-là. Pratiquement 2 semaines après les législatives en Guinée, impossible de dire qui de l'opposition ou du pouvoir aura la majorité dans la future Assemblée nationale. Autre actualité, le prix Nobel de la paix a été décerné aujourd'hui à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'OIAC est chargé notamment de superviser le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Le prix Nobel de la paix, faut-il le rappeler, récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2.